Bonjour, bienvenue dans cette émission rencontre où mon invité s'appelle Pape Yovan. On l'appelle, ou en tout cas on le connaît aussi sous le nom de Youyou Papou. Et c'est l'organisateur du premier festival Couleurs des îles qui aura lieu à Bruguière dans le Tarn. Ça se passera en juin. Et Youyou Papou est aussi le gérant de l'agence événement des Tropiques à Castres. Bonjour Youyou. Je dis Youyou tout seul ou je dis Youyou Papou? Bon, comme tu veux, comme tu veux. Non. Bonjour à toi. Merci de ton invitation. Bonjour aux connectés qui se connectent. Bonjour à tous. Bonjour à La Réunion. Bonjour à la Polynésie. Bonjour les Antilles. Et bonjour à la métropole. Eh oui, ça en fait du Voilà. Donc. monde. Toi, tu es originaire d'où? Moi, je suis. Alors, moi, j'ai une particularité. Je suis originaire du côté de La Réunion, du côté de ma maman, du côté de mon papa, originaire de la Hongrie et l'Italie. Ah oui, ça fait un sacré mélange. Yes. Est-ce que ce sont tes origines d'ailleurs qui t'ont donné envie de créer ce festival aux couleurs des îles? Oui, moi-même qui ai un bon métissage de polyculture, donc c'est ça qui m'a attiré vers la polyculture entre trois communautés, je dirais, d'outre-mer. Donc, et ça apporte de la richesse, surtout avec ce qu'on vit actuellement. Ce Covid, on est un peu enfermé, mais il faut donner de l'espoir aux gens, préparer les choses. Pour dire, bien voilà, en sortant du Covid, il y aura ça. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même faire des projets parce que sinon on peut rester un petit peu enfermé et puis se dire que finalement à quoi bon? Donc ce festival aux couleurs des îles va nous réserver quoi? Ah, plein de surprises, comme tu as dit, et ça se passe au Guest Room Le Parc, 20 rue de la Tuilerie, 81-290. La Bruyère, voilà, dans le Tarn, du coup. Ça va vous réserver des animations polynésiennes, de La Réunion, et puis des Antilles, avec un panel d'artistes tels que Guinon Hugondin, Alix Bazin, Laïcia, Natacha Tortillard, Mildy, Evji, Brian Singer, Hugo et Anaïs, qui ont été demi-finalistes, incroyable talent, je dirais. Et puis que vous pouvez visualiser l'affiche. Ouais. Voilà. Alors Donc. attends. Il me fait un petit bug là. Mais vas-y, continue. Moi, je voulais juste montrer en fait où se situe ce lieu, parce que c'est un lieu magnifique, dis donc. Ah, c'est vraiment un lieu magnifique. On pourra retrouver aussi l'aspect artisanal. Ouais. On peut trouver l'aspect que je dirais, comment dirais-je, l'aspect artistique avec les artistes que je viens de nommer, plus Ouais. en plus pour la troupe Eva Tahiti. Il y aura Noémie, incroyable talent, voilà, pas incroyable talent, pardon, The Weskid 7, et qui sera marraine polynésienne du festival. Ouais. Donc ça se déroulera comme tu l'as dit, les 11, 12 et 13 juin. Aujourd'hui, on peut encore faire partie de ce festival. Je veux dire, si je suis quelqu'un des îles et que j'ai envie de mettre en avant mes produits ou mes services, je peux encore te contacter. Oui, vous pouvez me contacter à tout moment. Je répondrai avec plaisir à cette demande. Et puis, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur ce festival, hein, en fait. Et de quoi tu as besoin exactement? C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as besoin encore d'exposants, de quel type d'exposants aurais-tu besoin en priorité ou en particulier? Alors, il n'y a pas de priorité, sauf l'alimentaire, parce que l'alimentaire, c'est complet. Mais tout ce qui est bijoux, tout ce qui est artisanal, quoi. Vous venez me voir, et puis on discute, et puis on voit, après. Ce qui est possible. Tu as eu Voilà. Zouk Machine, t'as confirmé la venue? Oui, donc machine a bien confirmé la venue. Waouh, Génial. Il y a la troupe Eva Tahiti aussi, comme je le disais tout à l'heure. La troupe Pourquoi pas Family, le groupe Fiesta Créole, les danseuses Couleurs des Tropiques 9-4, qui est en partenariat avec Événements des Tropiques. Et puis, bien sûr, il y a plein de médias qui nous suivent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous aurons les artistes aussi, Jamie et Jenny Caz, des Antilles. Nous allons avoir Emily Wanné, voilà.
Nous allons avoir vraiment un gros panel d'artistes, je dirais, Ouais. vraiment chouette. Comment ça s'appelle? Le principe, l'objectif en fait de ton festival, c'est vraiment de mettre en avant toutes les cultures des îles. Donc, que je sois de la Réunion comme toi, ou de Tahiti, ou des Antilles, je peux être intéressée par ce festival à un titre professionnel comme à un titre personnel. Oui, bien sûr, bien sûr. Vraiment, vraiment. Il y a d'autres artistes que je n'ai pas cités. Il y aura aussi Jacky D. Et la particularité, c'est qu'au niveau des présentateurs, il y a les trois communautés qui présentent. Actuellement, on compte six présentateurs. Il y a deux présentateurs par communauté. Voilà, ça, Génial, c'est on peut les pas mal. présenter peut-être si tu veux. Oui, on peut les présenter. Alors, il y a déjà un présentateur surprise. Voilà, il faut toujours une surprise. Voilà. On a Terry, un présentateur polynésien. On a Rosie, qui est la leader des présentateurs, qui est présentatrice, animatrice de radio aussi également. Voilà. De radio, de quelle radio? Radio Soleil des Tropiques, d'ailleurs, que je leur fais un gros big up à Rosie, puis à Pascal, qui est mon responsable technique. Voilà. D'accord. Et puis, on a aussi Doul, qui est aussi présentateur de radio et qui présente au festival, qui présente sur Azote Radio et RPI Radio, que j'ai fait un gros big up à toi, mon ami Doul, tu sais, il n'y a pas besoin de dire plus. Ensuite, on aura François Dals, Jean-François Dallot. Alors, c'est un artiste chanteur, puis c'est un présentateur qui présente sur les émissions que la région Réunion propose. Flash TV, D'accord. qui est là pour promouvoir les artistes de la Réunion, entre autres. Voilà. Ouais. Et alors, Donc, comment ça va se passer par rapport au Covid? Parce que, évidemment, au niveau des mesures sanitaires, on imagine que c'est un petit peu compliqué. Toi, quelles mesures tu as mis en place justement sur ce festival? Si jamais il y avait encore des mesures sanitaires, parce que peut-être que d'ici juin, ça pourrait changer et évoluer, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bonne question. Avant de répondre à cette question, je dis qu'il y a un autre présentateur, Vegetico. Voilà. Voilà. Et puis, pour répondre à ta question, au niveau des mesures hygiène Covid, on met en place tout ce qui est gel hydroalcoolique un peu partout dans le parc, à l'entrée. On y met en place, là, on voit le projet de mettre les tests antigéniques du Covid. Il y a les QR codes qui se mettent en place. Vérification des carnets de vaccination ou des tests négatifs. Oula, j'ai mon toutou qui se réveille. Prise de température. Tout ça, on met en place aussi des gradins. Des gradins avec séparés. Il y aura une personne tous les trois sièges, en fait. Tous les trois D'accord. sièges. Donc, en fait, pour quelqu'un qui s'inquiéterait, il n'a aucune raison de s'inquiéter. Toutes les mesures. Voilà, toutes les On mesures met seront également prises par rapport à ça. un sens de la marche, une entrée et une sortie. Voilà, c'est pareil. Voilà. Et quand on rentre, obligation de se désinfecter les mains. Oui. On Obligatoire. aura la possibilité aussi de se laver les mains, parce que moi, par exemple, je ne suis pas une Oui, adepte du bien tout sûr, il y a des des gels sanitaires. hydroalcooliques, tu vois. Oui. Il y a des sanitaires. On met en place aussi un lavabo à l'entrée. Justement pour se laver les mains, pour ceux qui veulent se laver les mains avant. De toute façon, voilà. Voilà, c'est sûr, parce que je sais qu'il y en a qui sont allergiques au gel hydroalcoolique. Oui, Donc, allergique ou même bon, qui n'aiment pas trop ça et qui préféreraient, si jamais on doit vraiment utiliser quelque chose pour les mesures sanitaires, à ce moment-là, autant utiliser du savon pour certains, tu vois, laisser le choix à tout le monde. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu technique. En tout cas, ça reste obligatoire. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, celui qui ne veut pas se soumettre à la règle, bien sûr, malheureusement, il ne pourra pas rentrer. Et oui. Et une fois qu'on rentre, donc on fera un petit peu comme dans un grand magasin que je ne citerai pas, on fera un tour, comme tu l'as dit, comme c'est un tour qui n'a qu'un sens. Ça veut dire que je ne risque pas de croiser beaucoup de personnes. En fait, je suis mon couloir, quoi, en fait, c'est ça. En fait, et si vous voulez refaire un tour, si vous voulez refaire, en fait, moi je vous dis, faites un tour, regardez d'abord, au premier tour, regardez. Au deuxième tour, vous comptez le portefeuille, vous comptez le budget,
Et au troisième tour, eh ben, vous allez dépenser. Allez, premier stand, deuxième stand, troisième stand. Un petit peu à tous les stands. Wow. On fait des prix attractifs, je vous promets. Et chose qui est importante, par rapport au prix attractif, dans le prix que j'ai fait, que vous pouvez voir sur l'affiche quand elle va apparaître, qu'elle a dû apparaître déjà. Il y a service transport navette pour la clientèle en Occitanie. Ça veut dire que j'habite à Perpignan, que j'habite à Carcassonne, que j'habite à Toulouse, que j'habite à Montauban ou encore en Lozère. Ouais. Eh bien, si je veux venir, eh bien, je réserve ma navette. Ah, d'accord. Ma navette qui est dans le prix. Condition, j'ai pris ma prévente. Donc, ça m'évite de prendre la voiture si j'habite dans la région, quoi. Voilà, j'envoie mon reçu. Eh bien, une fois le reçu établi, je l'envoie par mail et il me dit j'habite à tel endroit et moi il y aura des points de rendez-vous comme les gares, les gares routières. Et du coup, ils réservent et puis leur place est réservée d'office. Oui, oui. Donc, on peut déjà donner les tarifs peut-être ? Les tarifs, oui, bien sûr, les tarifs. On peut les donner. On est pour les places en prévente adultes, on est à 12 euros au lieu de 18 euros sur place. Mmh. On est en passe week-end, on est à 30 euros en passe week-end adulte au lieu de 40 euros sur place. Mmh. On est au niveau des jeunes et des jeunes de 12 à 16 ans et des étudiants. On est à une entrée en prévente à 7 euros au lieu de 15 euros sur place. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre ses places dès aujourd'hui, oui, en fait. Au niveau de passe week-end prévente, des jeunes de 12 à 16 ans et des étudiants, on est à 15 euros au lieu de 30 euros sur place. Et puis, c'est pas fini. On est arrivé de groupe. Oui. Le tarif de groupe, qui est à 8, euros, qui revient à 8, 80 personnes, 80 euros pour 10 personnes, pardon, et qui revient à 8 euros par personne pour les adultes. Mmh. Et pour les jeunes, les jeunes étudiants, ou 12 à 16 ans, tarif de groupe qui est de 10 personnes, qui est à 50 euros, qui revient à 5 euros par personne en soi. Ouais. Donc voilà. Bien sûr, quand si je prends mes billets maintenant, j'aurai un tarif. Si je les prends à la dernière minute, ce sera un autre tarif. Donc bien sûr, si je me prends à l'avance, ça sera moins cher. Maintenant, pour les navettes sont accessibles à tout le monde, j'imagine, mais pas gratuitement. Ça, que c'est compris dans le prix. Ah, c'est compris dans le prix, d'accord. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure. Je prends mon ticket pré-vente, j'ai droit à la navette. J'ai le droit. Ah, c'est bien. Mon droit, à condition que je réserve. Je réserve quand même. Oui. Je réserve, oui. Je suis à tel endroit, voilà. Tac, je réserve. Après, nous, on envoie les informations à telle heure, on prend à telle heure, à telle heure. Donc là, je suis sur la page Facebook de ton festival, le Festival aux couleurs des îles. C'est ça? Donc, bien sûr, tu as remis tout ce que l'on a dit en termes d'informations pratiques et utiles. Tu as mis quelques extraits aussi de tes invités si on a envie de plus faire connaissance avec eux. J'ai vu également que tu fais un appel genre à des candidatures pour des Miss. Enfin, tu ne les appelles pas d'ailleurs des Miss. Oui, c'est plus élection des jurys. Voilà. Ouais. Mesdemoiselles. Je dis bien mesdemoiselles, puisqu'il ne me faut pas des dames. Moi, je n'aurais pas le droit, par exemple. Ah, alors, malheureusement, on cherche des mesdemoiselles de 20 à 30 ans, disponibles, motivées, qui mesurent entre 1m70 entre 1m70 et 1m80, et qui veut bien s'investir à fond, qui cherche l'aventure, qui cherche un peu de richesse, un peu de bonheur. Et puis, plein de cadeaux leur est réservé si elles sont élues. Et alors, j'ai de la chance. Je suis bien drivé
avec cela, puisque je suis drivé par Rosie, justement, qui est première dame de Dom-Tom. Voilà, il a été élu, première dame de Dom-Tom, qui a beaucoup de casquettes, qui m'aide beaucoup à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, sur, comme c'est marqué sur le mail, festival.aucouleurdesiles, au pluriel, aucouleurdesiles, @gmail.com ou au téléphone 07 49 12 81 77. Oui. Ou bien sur la page bleue du festival aux couleurs des îles. Voilà. Donc, on va et on t'envoie un message en disant… Alors, bien sûr, c'est je dirais, d'une façon… C'est une élection bienveillante, c'est pour s'amuser aussi, c'est pas, faut pas se prendre trop au sérieux, hein. Parce que là, tu mets quand même 20-30 ans, donc ça veut dire que la fourchette d'âge est quand même plutôt sympa, je dirais. En général, les jeunes filles, les élections, c'est 18-25 ans grand maximum. Là, le fait d'avoir ouvert, ça veut dire que des mamans même pourraient venir s'amuser à ce concours. Alors non, pas les mamans. Ah zut, pas les mamans. Non, il faut qu'elles soient disponibles, je précise, sans enfant. D'accord. Donc tu veux quand même des gens qui, à la fin de cette élection, ça veut dire que tu vas leur demander certainement une implication, de s'engager sur quelque chose. Bien sûr. De s'engager à promouvoir les îles alors. À promouvoir événements tropiques. Il y aura 3 jurys d'élus, une qui va représenter du côté de la Réunion, une du côté de la Polynésie et une du côté des Antilles. D'accord, très bien. Donc, quand tu dis la Polynésie, c'est aussi le Pacifique, une qui représentera en tout cas le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Oui. Événement tropique au Pacifique, un peu en métropole, un peu au Pacifique. Une qui représentera en métropole, bien sûr, mais un peu à la Réunion aussi. Et une qui représentera à la fois la Réunion, à la fois en aux Antilles et à la fois en métropole. D'accord, très bien. Donc, on a parlé des navettes. Sur la restauration, donc, tu as des gens connus, pas connus, des gens qui démarrent. Comment ça se passe au niveau de la restauration? On a un traiteur événementiel, Rosie qui est sur tous les fronts, qui est aussi responsable de la communauté antillaise des artisans. Voilà. On a moi-même, qui traiteur aussi, voilà, qui aura mon stand réunionnais. Voilà, il y aura d'autres stands réunionnais, mais voilà. Donc après, on aura aussi le fameux cochon au four de notre ami Gabi, qui est président de l'association Wallis et Futuna de Cava Ouvéa à Castres. Voilà. Mm-hmm. Il est très connu de la communauté polynésienne, en fait. Voilà, que ça fait plusieurs années qu'il est dans le mouvement, en fait. Et Gabi, c'est un ancien para qui était en l'armée avec mon papa, mon défunt papa, que je pense à lui très fort, d'ailleurs. Et c'est un peu grâce à Gabi, justement, je remercie, je l'appelle Papy Gabi, moi. C'est grâce à lui que j'ai connu la communauté polynésienne aujourd'hui. Mmh. Il m'a fait découvrir plein de monde, tel que la troupe Vataïti. Et après, c'est allé de fil en aiguille. Après, j'ai eu l'idée de faire ce festival avec la Polynésie. Après, j'ai rencontré que du beau monde. J'ai pu rencontrer Seb, qui est un peu fan de la Polynésie, de Gruissan. Qui m'a fait connaître Célia, d'ailleurs que j'étais en interview avec elle hier soir. Et Célia Couronne, ouais, qui est une blogueuse voyage. J'ai pu tomber sur toi. Ouais. Pardon. Comme quoi. Hein. Voilà. Et puis, je vais contacter, pourquoi pas. Voilà. Bien sûr, bah, tu as eu raison. Bah, c'est vrai que les communautés, de toute façon, c'est comme ça. Ça marche par réseau. Hein. C'est je connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît encore quelqu'un. Donc, il faut toujours utiliser son réseau. Surtout quand on est loin de chez soi, ça fait toujours du bien. C'est ça, c'est un peu comme téléphone arabe. Oui, c'est ça. Donc là, je rappelle, les 11, 12 et 13 juin, on peut déjà réserver ses places. Oui, on peut déjà réserver les places en direct sur la page du festival Aux Couleurs des Îles. Mmh. Et bien sûr, si vous êtes en groupe, venez me parler en privé. Je ferai un prix très attractif selon le nombre. Parce que si vous êtes 50, si vous imaginez bien, si vous êtes 50 d'un coup, ben, vous allez avoir un prix plus intéressant que des offres plus intéressantes, je dirais, que si vous venez qu'à 5 personnes. Mmh. Voilà. Donc là, vous pouvez voir aussi
les masseurs, qu'il y aura masseur polynésien, Ah oui, là, Théro, c'est donc qui vraiment est les le castre. massages traditionnels. Voilà. On aura aussi l'espace soins et beauté de La Réunion avec masseuse, maquilleuse, prothésiste angulaire et coiffeuse. Alors, coiffeuse, la particularité, c'est qu'on aura la championne du monde des coiffeurs. Ah ouais, La championne du monde elle est avec. d'où? Elle est Elle d'où est la championne? vers Toulon. Elle est vers Toulon. D'accord. Elle est vers Toulon. Et puis, on aura aussi également, on aura la chance d'avoir le champion de France de barbecue, Seb, de Louisin. Ça, c'est le festival. Et tout le monde qui a sorti son livre, une touche des îles dans ma cuisine. Voilà. Et qui sera sur notre festival, là. Bon, bah super. Donc, c'est vraiment. Donc là, Oui. ici, on parle Et de comme vous voyez, Noémie, tu pour. parlais, voilà. Oui, bien sûr. Noémie qui est par un marraine polynésienne du festival, qu'on aura la joie de la rencontrer le week-end du festival, en fait. Donc, moi, je vous dis, même, je ne sais pas quand c'est qu'elle va chanter. Je ne sais pas si elle va chanter le vendredi, le samedi ou le dimanche. Donc, si vous n'avez pas comme moi, cher connecté, vous venez, vous prenez un passe week-end. C'est le mieux. Comme ça, vous êtes sûr de voir Noémie. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Noémie, tu peux dire un petit mot là-dessus? Oui, ben Noémie, qui est une artiste très talentueuse, qui a fait The Voice Kids 7, donc la dernière saison en 2020, que ça l'a poussé en fait vraiment vers le haut, quoi. Noémie, qui a son âge de 13 ans, eh bien, elle a évolué rapidement. Et moi, c'est une fierté, surtout avec son dernier titre pour Inésia. Ça, c'est vraiment un titre, quand j'écoute, ben, que j'ai les larmes aux yeux. Voilà, ça me donne les frissons, tellement que c'est magnifique. Maintenant, Noémie, qui est métropolitaine à la base, est à Toulouse. Mais depuis 5 ans à peu près, qui sont sur le sol polynésien. Ça fait 2-3 ans qu'elle s'est lancée dans la musique, mais franchement, eh bien, c'est juste une belle aventure. Et puis, moi, je lui souhaite beaucoup de réussite dans sa carrière, mais bon, je m'en fais pas des tonnes, je m'inquiète pas. Elle va beaucoup réussir et moi je serai là derrière elle justement pour qu'elle réussisse, pour lui Bon, ben c'est apporter chouette. En à tout ma cas, maman. elle est mignonne comme un cœur et c'est la marraine donc Elle de ce est festival. polynésienne, Oui, elle va vous polynésienne, parler, vous les tout ça. Elle va vous faire une guitare-voix sur le festival, elle les voix. C'est juste magnifique. En tout cas, bravo à toi, Noémie. Continue comme ça et événement éclectique dont Yupapou est l'organisateur. Et toujours avec toi, et puis toute mon équipe, ce jour et moi. Ça, c'est gentil, Yo-Yo Papou. Tout à l'heure, tu parlais de Rosie. Voilà Rosie qui s'occupe aussi de nous nourrir, qui Oui, nous c'est ça, proposera de bonnes choses c'est à manger pendant ce festival. ça. C'est ça, c'est ça. Avec son poulet colombo, les bouquettes, les acras. Ah, c'est langouste farcie aux fruits de mer. Ça, c'est mon dada, ça. Ah, très bien. Ouais, je vois que effectivement tu as essayé de fédérer un petit peu tous les ultramarins. Est-ce que tu as envie qu'il y ait un message particulier qui soit transmis lors de ce festival? Oui, alors ce message qui s'est transmis, ce festival, ne vous faites pas la guerre, soyez solidaires les uns les autres. On est tous ultramarins. Pas parce qu'on est rayonnais, antillais, polynésien, même métropolitain, on est humain. On est humain. Pour les Outre-mer, on est ultramarins. Pour les îles Outre-mer, ils seront présents. Donc ne vous faites pas des clans, moi, ce n'est pas ça que je veux voir. Je ne veux pas voir les Polynésiens d'un côté, les Réunionnais d'un côté, les Antilles de côté. Non, un mélange, un partage de culture. Par exemple, on est en train de voir des gens manger, mais qu'on voit un Polynésien, un Réunionnais, un Antillais à côté, qui sont en train de se. Pas se faire un câlin, puisque c'est le Covid, mais un On a peu le comme droit à ça. les câlins hein, si on arrive déjà en groupe. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est Donc, vraiment un message de solidarité et voilà. de ouais Cette et de émotion, ce mariage, moi j'ai fait cette expérience le 20 décembre quand on avait fêté
La fête CAF, j'ai animé une émission, puisque je suis animateur aussi. Une émission avec sur Radio Soleil Tropique et Fréquence Tropicale, et plein d'autres radios encore, RW Pacifica. J'étais d'ailleurs avec notre ami Théa, qui est très connu de la Oui. communauté polynésienne. Il me fait un grand big up, voilà. Et quelqu'un qui est très fort, quelqu'un de très gentil, puis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui se bouge beaucoup pour la communauté. C'est très joli. Donc moi, je dis, il n'y a pas plus de personnes comme lui qui se bouge autant. En tout cas, c'est vraiment génial. Et puis, j'étais aussi aux côtés de Rosie, justement, ce jour-là. Et puis, moi-même, on était trois animateurs. Et puis, deux à la technique. Voilà, de la technique. Il y avait Pascal et Will, que je salue très fort. Will, qui est président de la radio Fréquence Tropicale, et Pascal, président de la radio Soleil des Tropiques. Voilà. Et puis, on avait aussi, eh ben, ce jour-là, on avait cinq artistes. Il y avait deux artistes danseurs, Hugo et Anaïs, demi-finalistes Incroyable Talent 2016, et trois artistes chanteurs. Il y avait Mildy, que j'ai fait un gros big up d'ailleurs, avec son dernier titre, avec son dernier clip Souffrance, voilà, que vous pouvez aller voir sur sa page. Et deux autres artistes, Bryan Singer et Dinoël Gourdin. Alors, Bryan Singer, que son clip Autour de toi qui va pas tarder à sortir, donc restez connectés. Et Guinoël Grondin, connu avec son titre À l'ombre des fées, n'hésitez pas à aller liker sur YouTube. Voilà, et partager cette bonne ambiance. Et ces trois artistes seront bien sûr présents sur le festival. Voilà, puisque Guinoël Grondin, il a plusieurs casquettes. Il est à la fois artiste, à la fois le référent des artistes réunionnais. Voilà, Mildy, qui est alias Barbara, alias Mildy, qui est à la fois artiste sous le nom de Mildy, mais qui est à la fois responsable de sécurité sous le nom de Barbara. Voilà. Et Bryan Singer, qui est à la fois artiste, mais à la fois un peu comme il est ambassadeur de l'Union des rayonnais, des étudiants rayonnais dans l'Hexagone, eh bien, il apporte son soutien à l'événement tropique pour amener les étudiants au festival. Donc, il y a tous les artistes, ils ont un petit peu une double casquette, une triple casquette sur le festival. Ils s'investissent beaucoup et ça me touche beaucoup, je me sens beaucoup soutenu. Bon, ben ça, c'est chouette. Le festival aux couleurs des îles aura lieu donc en juin, je le rappelle. Bien sûr, il y aura toutes les coordonnées utiles sous cette vidéo. Est-ce que, alors, on a parlé de ton concours des jurys, on a parlé de gens qui voudraient encore s'inscrire en tant que professionnels sur ce festival, et on a parlé du public et des tarifs, bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose, un volet qu'on n'aurait pas évoqué et que tu as envie de mettre en avant? Et là, je réfléchis, mais il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire. Oui, bien sûr, chaque artiste, chanteur, auteur, sera accompagné de danseuses dans le spectacle. Comme les Antillais, Jamy Jenica seront accompagnés des deux danseuses antillaises, dont Tatiana, que je fais un gros big up. Et puis aussi, on aura la chance d'avoir Miss Élégance France. Voilà. Et puis il y en a qu'il ne faut pas oublier, je fais un gros. Qu'il y aura aussi nos DJ. Nos DJ, il ne faut pas oublier, les oublier. DJ Rohan, DJ Will, qui est le leader du DJ. DJ T-Charles, DJ Vincent, DJ Bax et DJ Marc Mkila. Je vous fais un gros big up. Et franchement, ça va être vraiment un truc sympa. Et DJ Manu, j'ai oublié. DJ Manu, voilà. Alors, c'est tous des DJ qui sont d'origine ultramarine? Ah, c'est son côté du réunionnais pour le coup. Pour le coup, D'accord. voilà. Et après, dans les futures années, on mixera un peu les DJ. Voilà. Moi, j'ai fait par rapport au plus simple pour cette année. Voilà. Oui, parce que là, il faut le rappeler aussi, c'est le premier festival. Donc, c'est Ah, quelque chose qui va se créer vraiment cette année, qui va se dessiner. tout Après, effectivement, tu peux décider de donner une visibilité plus grande à une île plutôt qu'une autre sur Bien sûr. plusieurs festivals. Ça dépendra des éditions, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et après aussi, on aura la chance, et puis je fais un gros big up à toute la technique, à l'équipe technique de Pascal, à l'équipe de sonorisation de Christophe, à tout mon staff, à Linda, à Jean-Marie, à Gabi, à Rosie,
Ah, Katie, que c'est que j'ai oublié, Elena, Marius, vraiment toute la bande des responsables qui s'investissent nuit et jour, je dirais, pour ce festival. C'est vraiment un honneur pour moi de les avoir entre mes mains. Je pense aussi à Sophie, voilà. Je pense à vraiment plein d'autres, à Audrey, à Estelle. Vraiment, c'est vraiment tout. Désolé si j'ai oublié des noms, puisque là, c'est pas facile à tout retenir d'un coup de tête, c'est-à-dire Bien de tête. sûr. Mais de Mais toute si façon, j'ai oublié. voilà, je suis en train de faire passer ta page Facebook où on voit que tu as déjà fait plusieurs directs, plusieurs lives, que tu vas certainement en faire d'autres. D'ailleurs, est-ce que tu as un rendez-vous avant de se quitter, une actualité, un live prévu, à part le Ouais, nôtre, bien sûr? le lundi 29 mars 2021, sur le direct live Festival aux couleurs des îles, avec notre ami justement Seb, champion de France. Voilà. Il sera en présentiel avec moi. Tu l'as Voilà, que j'aurai la annoncé chance. déjà sur la page Facebook ou pas? Non, J'ai pas pas encore, peut-être. pas balancé encore. Ouais, donc c'est. J'ai d'autres informations à faire passer avant l'interview. L'interview, je balancerai un peu de la semaine. Ok, donc suivez l'actualité sur cette page du Festival aux couleurs des îles. Premier événement qui aura lieu dans le Tarn au mois de juin. Ce sera les 11, 12 et 13 juin. Merci, Youyou Papou. À bientôt et je te souhaite plein de bonnes choses pour ce festival alors. Eh bien, merci à toi, merci à tous de nous suivre. Et à très bientôt. Donc, rendez-vous le 11-13 juin 2021 au Guest Room Le Parc, 20 rue de la Tuilerie 81 290. Là, vous voyez, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec Léanique. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à venir tout le temps sur les émissions de Léanique. Voilà, c'est vraiment génial. Et je vous la conseille. Bye bye, les amis. Merci.